dans ces confinements-là. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist. C'est sous une de mes vidéos que j'ai fait avec ma pote que j'ai eu une question. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo wishlist sneakers été et printemps? Faut me dire ça à moi, je kiffe faire ce genre de vidéo. Donc avec grand plaisir, pas de soucis. Attends, ça fait grave bizarre de remettre une casquette. Il y aura peut-être des paires que j'ai déjà donné dans certaines de mes anciennes wishlist, mais c'est pas un souci. Je vais dire une partie des paires parce que vous me connaissez, je suis un malade, donc il y a énormément de paires que je veux. Mais je vais dire une partie des paires et surtout les paires que je compte m'acheter prochainement, genre que je compte avoir prochainement. Le fun, par contre, j'ai besoin du fun parce que je les ai pas toutes retenues. Attends, j'arrive pas à assez rentrer cette casquette, c'est... Oh, c'est compliqué, là. J'arrive pas à assez rentrer cette casquette, là, pour cacher, putain. Donc on commence avec une paire vraiment pas chère, enfin la paire la moins chère de ma wishlist je pense, c'est la Fila 94 rouge. Ouais, en fait j'ai découvert Fila, j'ai pas découvert Fila, je connaissais la marque de nom, mais j'avais jamais rien acheté de la marque Fila. C'est une découverte dont je suis plutôt fier. Vous voyez la paire, elle a l'air assez épaisse, assez chunky un peu. Tu vois le petit détail de rouge, le petit détail de noir, de blanc. Je trouve que ça apporte le petit peps qu'il nous faut, enfin c'est ce qu'il nous faut. Donc j'aimerais bien cette paire. Et en ce moment je joue de plus en plus les Air Max 270, donc les Nike avec les énormes bulles d'air. Je joue le modèle en blanc et bleu et le modèle en blanc et rouge. Déjà je trouve que le design est archi original et j'adore les couleurs. J'ai pas précisé mais dans cette wishlist il y aura que des paires colorées du coup parce que printemps été voilà c'est encore une plus grosse excuse pour porter que des couleurs. Les paires renom on va les garder pour l'hiver et l'automne à la limite. La Air Max One Kaki. J'ai réussi à avoir toutes les Air Max One que je voulais. Il me manque juste la kaki. Je sais pas où je vais la trouver mais je vais la trouver, je vais l'acheter, je vais la porter, je vais être trop bien. Les gens souvent c'est grave problématique. J'ai un gros souci avec toute la nouvelle collection de RSX3 puzzle de Puma. C'est pas forcément RSX3 mais RSX en général je fous en ce moment, j'en veux plein. Il y a plein de couleurs qui me font de l'œil mais pour toutes les acheter là ça va être compliqué mais vous connaissez mon addiction pour les couleurs. Là les blocs de couleurs comme ça, moi je suis fan. Depuis que j'ai eu le RSX3 puzzle, le bleu et rouge, je me suis dit il m'en faut plus. Waouh, putain ça me gratte maintenant quand je mets une casquette. C'est vraiment compliqué, ça me donne chaud aussi. Donc bref, il y a beaucoup de RSX que je veux. Les Air Max Plus TN, je veux surtout la bleue, j'ai aussi la violette, mais je veux surtout la bleue, je vous en avais déjà parlé dans ces wishes, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Je vais faire attention cette fois. Enfin, j'hésite à prendre une demi-taille au-dessus ou pas. Certes, je suis pas trop à l'aise dans ma Tiger actuelle, mais ça passe. J'ai peur de prendre trop grand en fait. Remarque, mieux vaut trop grand que trop petit au final. Donc on va voir, mais je les veux. Aussi une paire qui est sortie assez récemment, la Dunk Low SP. Elle est sortie en bleu, elle est sortie en orange. En tout cas, c'est les deux coloris que j'ai captés. Après, j'ai pas trop recherché les autres. La orange, évidemment, la couleur, je kiffe. C'est une de mes couleurs préférées, hein. Le rouge, le jaune, l'orange, j'adore. J'aime bien la couleur orange et je trouve que la paire est originale de par son design. Mais après, je vais pas me précipiter directement sur cette paire parce que je sais que je la porterai pas souvent à part en été. Donc on va essayer de rester pratique. Une paire qui a toujours pas quitté ma wishlist, la Yeezy 500 Blush. Ce sera pas forcément pour l'été, mais pour le printemps au moins. Parce que c'est une paire qui est assez claire. La couleur beige très claire, là moi je valide de ouf. Et la shape, évidemment je suis fan. L'aspect puffy, l'aspect chunky, c'est mon délire. Je valide. La Yeezy 350 V2 marche. En fait c'est une Yeezy normale. Toujours le modèle chausson, tu connais. Mais c'est le colorway qui me rend ouf. En fait vous connaissez mon admiration, mon kiff, mon inconditionnel amour pour le jaune. Donc évidemment le colorway il me fait de l'œil de ouf. Donc si je pouvais la choper pour l'été ce serait pas mal. Mais j'ai tellement de paires à acheter avant, ça va être un peu compliqué. On va s'organiser, si je la chope pas cet été ça sera l'été prochain, y a pas de souci. J'ai la vie devant moi. Les Sakai, évidemment on les a pas oubliés. Bon c'est un peu plus cher mais en fait je crois que ça allait du plus cher au moins cher alors. Enfin, du moins cher au plus cher. Les deux sacs à colorer, la Blue Multi et la Green Pine Delson. Next, pas besoin de passer trop de temps là-dessus. La Sean Wotherspoon. En fait, j'étais censé l'acheter début avril, mais à cause du confinement de merde, là. Les transactions sur le site sur lequel je voulais l'acheter ont été annulées, donc j'ai pas pu l'acheter. J'espère que ça va se finir bientôt. J'espère qu'au moment où sortira cette vidéo, le confinement sera terminé et je pourrai enfin l'acheter et voilà. Mais bon, c'est relou. Et on finit avec des Air Force One Off-White, MCA et la Volt. Perso, je préfère la MCA parce que le bleu, je le trouve plus pétant et la Volt. Enfin, j'ai pas de chaussures néon, donc je sais pas trop comment ça rend au niveau des pieds. Je fais plus confiance aux valeurs sûres, donc la bleue comme ça, j'ai déjà un bleu comme ça, donc je sais comment ça rend. Mais j'ai très envie d'avoir les deux. C'est aussi des paires que je vous avais déjà montrées dans des anciennes wishlists. Mais évidemment, avec des prix astronomiquement chers. J'ai terminé par ça pour une bonne raison, c'est les plus chers. Presque aussi cher que la Sean Wotherspoon si c'est pas plus cher. Voilà les gens, en fait la vidéo est terminée, la petite sélection de sneakers pour l'été et le printemps réalisée par mes soins est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu et encore une fois j'espère qu'on sera sorti du confinement de merde quand j'aurai sorti cette vidéo. J'ai fait exprès de vous sortir que des paires colorées, j'espère que vous apprécierez l'attention. Moi je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et j'espère qu'on va se débarrasser de ce virus éclaté. Portez-vous bien les gens. Tchuss.